Ça se voit quand même, non? Non. Si. C'était peut-être pas une bonne idée, en fait. Oh, tu les connais, ils se rendent compte de rien du tout. Ouais, bon. Hey, et toi, tu dis rien. Hein. Ok. Hello. Alors? Mais alors, rien. J'ai fait tous les magasins de Paris, j'ai rien trouvé. Même au hall, il y avait rien, donc... Non mais la France va mal. Ça va très mal. Ouais. C'est la grosse crise, hein. Et du coup, on va faire comment? Cette année, on l'a fait monoparental? Non. Vous inquiétez pas, les gars. Vous inquiétez pas. Bibi a trouvé la solution. Allez, souriez, là. C'est bon, on y va. C'est pas mal. Bon alors, vous en pensez quoi? Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est plutôt in. In? Tu vois ce que je veux dire, ça fait 18-19 quoi, je vais pas te faire un dessin quoi. De toute façon, il y avait un autre, non? C'est ça que t'as dit tout à l'heure? Non, pénurie totale, il y avait que ça. Je sais pas moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange. Je sais pas trop quoi, mais... Peut-être la barbe, non? Ah ouais, okay. Je sais pas, peut-être. Ouais, hein. Ouais c'est... Enfin, je sais pas, moi... Perso, j'aurais peut-être pris un noir, non? Je sais pas, un noir ou... Ouais. Ou un mec sans barbe. Ou... Enfin là, il fait un peu hipster bobo, quoi. Enfin, si vous voulez mon avis. Un noir, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, hein? Ouais. Noir. Chinois. Les quotas, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Ça fait bizarre, quand même, non? C'est pas pareil. Non mais voilà la raison, un Noël sans nana, ça rime à quoi? Année de merde. Bah abus de merde. Attends, elles ont raison. Enfin en attendant, on se retrouve comme des cons là. Bah t'en fais pas mon loulou, on va survivre. Hey, show must go on les gars. Mais attendez, on va se battre pour qu'elles reviennent en 2019 et on va leur prouver qu'on est digne de leur présence à table. Et sur les plateaux. Et dans les bureaux aussi. Ouais, dans les formations aussi. Et dans les commissions. Les gars, les festivals quand même. Vrai, les festivals vrai. Aussi, c'est hyper important. C'est vrai. Et toi, Alex, tu vas te battre pour l'année prochaine? Pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Tu penses à quoi alors, Alex? Si tu te bats pas? Je pense à cette pauvre dinde. Sérieux les mecs quoi. Déjà vous vouliez pas du tout faire ce Noël cette année. Alors franchement je vois pas pourquoi il y a besoin de tuer une pauvre bête quoi. Je pense qu'il est au courant que c'est pas nous qui avons tué cette pauvre petite dinde innocente. Mais je suis pas sûr là. Et toi tu dis rien, tu penses quoi là depuis tout à l'heure? Tout le monde le sait ce que je pense, non? Bah un film sans femme, ça on se fait chier, non? C'est nul. Bah merci pour nous. Non mais je suis désolé mais... Non mais on parlait pas de la dinde là? Oui voilà, ouais, on parlait de la dinde, on parlait des dindes, des pauvres dindes, on peut parler aussi des pauvres homards ou des pauvres, je sais pas, canards, saumons, en fait toutes les pauvres bêtes innocentes, tu vois, qui ont rien demandé, qui sont là avec des décorations, des petites paillettes sur la table, tous vos sourires crispés là, franchement mais les gars, mais ça me saoule quoi. Enfin on aurait pu s'en passer, enfin on peut trouver autre chose quoi, oh, sérieusement. C'est pas sûr. Déjà que Noël sans gonzesse c'est glauque, alors un Noël au tofu, pour moi non là, désolé. On t'en tirer une balle. Exactement. Putain, mais vous comprenez rien en fait là. Oh, tu te calmes, d'accord? Tu descends de tes grands chevaux. La dinde, c'est quelque chose de sacré. Mais il a raison, hein. Moi, ma mère, elle a jamais fait un Noël sans cuisiner une dinde, hein. Ouais, j'avoue, ma femme, c'est pareil. Ouais, c'est comme ça. Bonheur, c'est pareil. Tu sais, mon pauvre Alex, en fait, ton souci, c'est que tu t'énerves trop. Je suis d'accord. Ouais.
tout le temps. Je pense que ici tout le monde est d'accord à table. Je suis complètement d'accord. Mm-hmm. Ouais. Mm. Redescends, tranquille. Canalise. Feng Shui. C'est Noël, on est à la cool. C'est même pas une dinde, les gars. Là. J'ai fait toutes les boucheries de Paris. Et ben cette année, pas de dinde, pas même une petite pintade. Quoi. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, les gars. Maintenant, c'est comme ça. Si on respecte pas les quotas, tous les Noëls, on va bouffer du poulet, quoi. Top, moi, je mange pas. Allez, ça reste Noël, quoi. Dans la voix des cieux.